Pourquoi vous êtes mis là, les trois sœurs c'est comme vous êtes sœurs, cousines? Non? Vous êtes dit, on se met là, il va nous taper? C'est ça ou pas? Eh bien, je ne vous taperai pas, voilà. Parce qu'une fois par an, je défends les associations. C'est quand il y a des mammifères protégés par National Geographic. Il faut préserver ça. Du coup, vous inquiétez pas. Je vais vous préserver. Mais lui, toi. Toi, frérot, je vais t'enculer. Toi. Je suis là pour ça. Toi, tu es là pour ça. Allez, c'est quoi ton prénom? Jonathan. Jonathan, ça va, Jonathan? T'es venu avec madame? Exactement. Madame Jonathan, comment vous appelez? Lorraine, ça va? Vous êtes content d'être là? Ah oui. Ah oui, c'est son idée, hein, ce fils de pute. Moi, je ne voulais pas. Mais je vais aller voir un autre spectacle de la comédie française. Vous avez ramené un mec de la comédie arabe. J'ai pas fait les cours Florent, j'ai fait les cours Farid, beaucoup moins cher. Donc, Jonathan, tu fais quoi dans la vie? Je suis responsable logistique. Logistique, oui. Dans le transport. Oui. Chauffeur poids lourd. Ils aiment sortir des noms. Je suis responsable. Logistique socio-culturelle du passement de vitesse. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ça se passe bien. Et Lorraine ? Aide-soignante. C'est bien, on les applaudit. Ils étaient là, vraiment. C'est reparti, là ? Donc, mon EHPAD, ça va. Ouais, t'es avec les EHPAD. Tu laves les zizi des vieux, c'est ça ? Ben oui, il faut. Des fois, ça... Est-ce que des fois, quand tu laves, il y a une petite réaction? Il n'est pas tout à fait mort. Ah oui, le Hajj, il a le barreau. La sœur voilée, elle est morte de rire. Hein. C'est pas des vannes halal, mais... Et toi, tu es d'accord avec la logistique? Il en faut. Aide-soignante, c'est des métiers difficiles, ça. Et esthéticienne aussi. Elle rase des chinecs. Il y a des esthéticiennes ce soir? C'est trop technique le spectacle pour eux. C'est quoi ton prénom? Sophie. Sophie, tu me connais pas, Sophie? Tu es venue avec qui, Sophie? Younes. Ah, c'est ton mec. C'est lui qui t'a ramené. Viens, on va faire un voyage en terre inconnue. On va regarder un spectacle dans la rue des putes. Non, viens. Allez, hey, vous avez fait le chemin pour venir ici. Que des tours Eiffel en forme de zeb. Oh là là. Ce truc. Faut pas se tromper de salle. Tu te retrouves dans un spectacle. Le mec, c'est pas un micro qui tient. C'est pas... Sophie, t'es venue avec Younes, c'est ça? Oui. Younes, c'est ton mec? Oui. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Rallume la lumière, je veux voir là. Elle est où, Sophie? Ça va, Sophie? Ça va. Tu es avec Younes, hein? Oui. Ça va, Younes? Tu vas bien? C'est toi qui as fait découvrir le spectacle à Sophie? Tout à fait. Elle aimait pas ou c'est non, comment non, ça se... Je lui ai dit, viens. Tu dis, on va aller voir un spectacle, elle va passer un bon moment. Exactement. Tu fais quoi dans la vie, Sophie? Je suis humanitaire. Humanitaire? Oui. Eh ben, elles sont là.